Je vois que je vous attendais pas. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la facilité, l'opportunité de faire l'interprétation simultanée. Pour cela, vous pouvez obtenir des casques à l'entrée. Parce que ici, ceux qui sont ici, ils vont parler français et nos invités vont parler russe comme ça pour être bien au courant de ce qui se passe. Donc, il vaut mieux de vous munir des casques.
меня сейчас слышишь, микрофон? Микрофон слышишь? Сейчас меня в микрофон слышишь? Все нормально? C'est trop fort? Comme ça? Vous attendez quoi? Vous entendez moi? C'est trop fort. Oui, avec une grande précaution, je commence à parler doucement. Ça va? Comment ça? Oui, on attend bien. Андрей, а где микрофон радио? Вижу радио микрофон, вижу. Voilà, après ces dernières notes qui sont prises dans la salle à côté, on peut commencer. Est-ce que vous m'entendez dans les casques? Est-ce que vous m'entendez? Oui, dans les casques. D'accord. Слышит ли меня в Москве? Да. Слышу, все нормально. Я прошу прощения за небольшую задержку. Мы сегодня впервые проводим именно в таком формате в этом помещении, но поэтому я Je veux demander m'adresser à notre public et nous excuser. C'est pas juste pour la première fois qu'on fait la conférence dans ce format-là, avec cette technique un peu sophistiquée, une nouvelle pour nous. Quand même, je crois que... Et c'est un grand plaisir pour ceux qui sont aujourd'hui dans notre salle pour assister à cet événement à l'occasion du centième anniversaire du musée Domaine Ясная Поляна. Nous avons l'interprétation simultanée qui est prévue et je crois que des casques, tous qui ont besoin d'écouter ce qui sera prononcé en russe. Et moi, je me permets de faire ma présentation. Donc aujourd'hui, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris vous salue et vous souhaite la bienvenue à une conférence internationale consacrée au 5e anniversaire du musée de Domaine Ясная Поляна. Le grand écrivain russe Léon Tolstoï a vécu à Ясная Поляна pendant près de 60 ans, où il a créé les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, Guerre et paix et Anna Karenina. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous attendez l'interprétation? Ça va, ça marche. Fort? Si c'est fort, vous pouvez diminuer vous-même ici. D'accord. Слышно ли в Москве? Я могу продолжать? Да, слышно. Хорошо, замечательно. Depuis juin 1921, le domaine a eu le statut de musée. Depuis 1994, le musée est dirigé par l'arrière-petit-fils de l'écrivain, aujourd'hui conseiller du président de la Fédération de Russie, Vladimir Tolstoï. Il a réussi à trouver de nouvelles dimensions du développement de musées. En 2012, c'est Yekaterina Tolstoï, épouse de Vladimir Tolstoï, qui est la tête de musée. Lors d'une conférence
lors de notre conférence, Vladimir et Ekaterina Tolstoï évoqueront les étapes de la création du musée, les principaux jalons de son histoire, les grands projets internationaux, les perspectives de futur développement, l'œuvre de la famille Tolstoï. Pour Vladimir et Ekaterina Tolstoï, il est important de préserver les liens familiaux de la dynastie Tolstoï, non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger. Plus de 300 descendants vivent dans les différents pays du monde. Dmitri Tolstoï, qui vit en France, est également invité à participer à la conférence. J'espère qu'il est aussi en ligne, qu'il est aussi avec nous. Pour l'instant, je ne le vois pas. J'espère bien qu'il va nous rejoindre. L'invité d'honneur de rencontre internationale que nous faisons ce soir est le membre de l'Académie française, l'écrivain français Dominique Fernandez. En 2008, Dominique Fernandez est venu à Yasnaya Polyana. En 2010, ce voyage lui a servi de base pour la mise en œuvre du livre avec Tolstoï. Et l'auteur y partage son point de vue sur la vie et le style de Léon Tolstoï. Une autre participante à la rencontre internationale sera Anne Lefol, qui est aussi à côté de nous. C'est une célèbre comédienne, artiste, membre du bureau de l'association française Les Amis de Léon Tolstoï, qui s'est produite à plusieurs reprises avec brio sur la scène de la Maison russe à Paris. Je donne le temps à nos traducteurs de me rattraper et je continue. En février 2020, il a présenté la première du spectacle La vie dans l'art avec la comédienne Aloïsia Delao, d'après les mémoires de Sophie Tolstoï, Ma vie. En outre, Galine Alexeyeva, modérateur de notre conférence, directeur scientifique du musée de Yasnaya Polyana, organisateur de conférences scientifiques internationales à Yasnaya Polyana, autour de nombreux articles de recherche sur Léon Tolstoï, et une autre participante, Galina Avchinnikova, professeure responsable des projets de recherche scientifique et pratique d'étudiants liés à la traduction de fragments d'œuvres écrits français contemporains sur Léon Tolstoï, aussi prendra la parole et interviendra lors de la conférence. Bon, sur ce point, je m'arrête là et donc je cède ma place à Galine Vassilna, Alexeyeva qui sera modérateur, et je vous souhaite très bonne conférence. Hein? Il ne va pas être près du micro. Voilà, d'accord. Mais voilà, il faut. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы открываем нашу конференцию, посвященную столетнему юбилею одного из крупнейших литературных музеев мира, музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна». И позвольте предоставить слово директору нашего музея Екатерине Александровне Толстой. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги. Позвольте мне от имени музея-усадьбы Ясная Поляна, от меня, Толстой Екатерины, и от моего мужа, Толстого Владимира Ильича, приветствовать всех участников конференции. Владимир Ильич, к огромному сожалению, не смог сегодня присоединиться к нашей конференции, поскольку у него позднее совещание очень важное. Но он написал слова приветствия, в которых он говорит о том, что считает очень значимым сегодняшнее событие, приветствует всех, желает удачной работы нашей конференции и называет сегодняшнюю конференцию своеобразным подведением итогов нашего замечательного юбилейного года. 2021 год, год столетия музея, прошел очень содержательно для нашего музея. Я думаю, что одним из самых главных и ярких событий этого года, года столетия, было открытие выставки, посвященной столетней истории Ясной Поляны. Мы думали, где разместить нам эту выставку, и мы понимали, что столетнюю историю Ясной Поляны может поместить, может разместить
только сама территория Ясной Поляны. И поэтому было решение сделать подробную и яркую выставку о столетней истории Ясной Поляны под открытым небом. Конечно же, история Ясной Поляны документально, как музей, начинается в 2021 году, но фактически Ясная Поляна стала музеем сразу после смерти Льва Николаевича Толстого, поскольку Софья Андреевна прекрасно понимала значение Толстого для России и стремление каждого приехать в Ясную Поляну и соприкоснуться с тем местом, которое давало Толстому заряд творчества, давало ему воодушевление. И поэтому сразу после смерти Ясная Поляна принимала посетителей. Но официально 2021 год, 10 июня, стало началом музейной эры Ясной Поляны. И, конечно же, наша выставка рассказывала об истории Ясной Поляны, и мы понимали, что история Ясной Поляны фактически это история России. Ясную Поляну не обошла стороной гражданская война. Великая Отечественная война, она, конечно же, пережила трагические истории, трагические дни, когда была оккупирована немцами, и когда сотрудники музея, жители деревни Ясная Поляна, не жалея своей жизни, защищали ее и спасали экспонаты. Благодаря усилиям Софьи Андреевны Толстой-Есениной удалось эвакуировать экспонаты в Томск. И поэтому мы сейчас говорим, что Ясная Поляна – уникальный музей, в котором хранится более 46 тысяч единиц хранения предметов, принадлежавших семье и Льву Николаевичу лично. Мало какой музей может похвастаться этим. А у нас ощущение подлинности, мемориальности сохраняется, конечно же, в Ясной Поляне именно благодаря тому, что все вещи лежат на тех местах, на которых они лежали во времена жизни Льва Николаевича Толстого. И, конечно же, ландшафт мы сохраняем по тем документам, которые дошли нам со времен Льва Николаевича Толстого. Конечно же, вся история России. Мы рассказывали о тех, кто посетил Ясную Поляну. Это были и президенты, и важные исторические деятели. По итогам этой выставки был издан каталог, который называется «100 лет музейной эры». Лев Николаевич Толстой важным считал не установку памятников, а строительство каких-то важных социально значимых объектов. И мы счастливы, что именно в год столетия музея мы открыли для посетителей два новых музейных пространства. Это наш музейный комплекс в Туле, наш филиал, мы называем его ЛНТ, Лев Николаевич Толстой, где мы рассказываем об истории Тулы, города, который любил Лев Николаевич Толстой, в котором он бывал, в котором он вел активную общественную деятельность, посещал магазины и разные досуговые учреждения, и учреждения культуры и образования. А также очень важно, что мы в этом году открыли музей в Крапивне, где в помещении, в здании полицейского управления, где Толстой бывал неоднократно и где он вел активную общественную деятельность, где он работал в Крапивне, в Крапивинском уезде, Толстой открывал школы для крестьянских детей, Толстой помогал крестьянам, он был мировым посредником и вел очень активную общественную работу. Сбылась, в общем-то, наша мечта. Можно сказать, что более 15 лет мы к этому шли с Владимиром Ильичем, сделать Крапивну, уездный город, музеем под открытым небом. И в этот раз это состоялось. Была проведена благоустроена территория, были открыты музеи не только нами, не только музеем усадьбы Ясная Поляна, но и Министерством культуры Тульской области открыт музей, который содержит коллекцию изобразительного искусства. В общем-то, сейчас в маленьком городке Крапивна, где проживает менее 1000 человек, сейчас в этом пространстве уже открыто 3 музея и будет открыт еще. Конечно же, важно то, что в этот год, в год 2021 год, год столетия, нами проведена активная реставрация на территории усадьбы. Было знаковое событие, что мы отреставрировали зеркала, которые находятся в большом зале, в зале
дома, из Наполянского дома Льва Николаевича Толстого, эти зеркала видели и Льва Толстого, и членов семьи, и многочисленных гостей. И вот впервые за весь этот исторический период они были отреставрированы. Так что для нас это важное, знаковое, замечательное событие. В этот год я вот буквально вчера вернулась из Сеула, где мы с Владимиром Ильичем и с нашей делегацией, с делегацией Министерства культуры Российской Федерации, с организацией «Русские сезоны», в общем-то, в рамках перекрестного года России и Корея открывали памятник Льву Николаевичу Толстому. И вот сейчас в сквере перед Литературным музеем Кореи установлен прекрасный бюст, бюст Льва Николаевича Толстого, работы петербургского скульптора Екатерины Пильниковой. И для нас это было огромное событие, а также это было огромное событие для корейцев. И об этом писала пресса. В общем-то, к сожалению, мы хотели в этом году провести съезд семьи, потому что вы знаете, как для нас важно не только поддерживать наши внутренние семейные связи, внутрироссийские семейные связи, но как для нас важно именно собрать семью, которая разбросана по всему миру. Вы знаете, что около 300 потомков проживает во всем мире. Вот я вижу и приветствую нашего дорогого нашего друга, дорогого нашего кузена Димитрия, который присоединился к нашей конференции. Но, к сожалению, пандемия не оставила нам такой возможности устроить семейный съезд. Надеюсь, что это произойдет в следующем 2022 году. Было много событий в этом году, было много научных конференций. Спасибо Галине Васильевне Алексеевой, потому что все наши международные конференции, все наши семинары запланированы, они прошли в режиме офлайн, и мы были рады видеть наших друзей и коллег в Ясной Поляне. Были проведены большие детские чтения, которые объединили более 40 регионов нашей страны, детей 40 регионов, и дети с огромным удовольствием принимали участие в этой конференции и рассуждали на тему, что такое творчество Толстого, чем он интересен и созвучен юному поколению, и каким бы они хотели видеть музей сейчас. И, конечно же, прислушиваясь к их мнению, а дети говорили о том, что мы хотели бы, чтобы в музее можно было не только слушать, но и разговаривать, чтобы нас слышали, мы задавали вопросы и был диалог. Услышав детей, мы считаем важным тоже такое направление работы. Конечно же, очень важный сегодня с вами, у нас с вами разговор, очень важны наши дружеские связи. Мы гордимся тем, что Ясную Поляну и разные французские музеи, институты связывают долголетняя дружба. Вот, к примеру, уже более 10 лет мы дружим с Ассоциацией парков и садов, которую возглавляет графиня Марисоль де Латур. Мы приветствуем, если она участвует сегодня в этой конференции, сердечно я приветствую госпожу Марисоль. Мы рады, что госпожа Марисоль всегда участвует в наших конференциях о ландшафте, о наших каких-то экологических направлениях. Мы рады, что за эти годы были реализованы проекты пленэров. Французские художники приезжали в Ясную Поляну и в другие музеи, которые входят в Ассоциацию садов и парков. И пленэры, их результаты этих пленэров, картины, работы были показаны и в нашем музее и прошли с огромным-огромным успехом. В 2019 году у нас демонстрировалась выставка, экспонировалась выставка работ Анны Филимоновой, это тоже русско-французская художница, так что связи наши прекрасные и только крепнут. И мы рады, что в год столетия музея мы открываем новые горизонты сотрудничества с французской стороной, открываем новые горизонты. Мы, к огромному сожалению, не смогли приехать в Ниццу в эти дни, когда, в общем-то, столько интересного проходило здесь, и так было приятно, что огромный интерес к творчеству Льва Николаевича Толстого, к его жизни, к жизни его семьи. Было здорово, что прошли такие разнообразные события, мероприятия. Это и выставки, и спектакли, и необыкновенный проект, который называется
который рассказывает о традициях русской кухни, о гостеприимстве Льва Николаевича Толстого. Хочется сердечно поблагодарить всех организаторов за эту чудесную идею, за это событие, мероприятие. В 2018 году в Ясной Поляне побывали на форуме литературных музеев, который, в общем-то, прошел ярко и ежегодно проходит в разных городах России. В 2018 году в Ясной Поляне побывали представители Федерации литературных музеев России, литературных музеев Франции из города Бурж. И их визит в Ясную Поляну положил начало новым побратимским отношениям с литературными музеями. Знаете, что Лев Николаевич Толстой выделял писателей французских и особенно относился он, конечно же, и к Жан-Жаку Руссо, безусловно, к Жюль Верну, к Виктору Гюго, и поэтому родился такой наш проект побратимства литературных музеев. Надеюсь, что когда закончится пандемия, мы сможем выйти на новый уровень сотрудничества, на новый уровень наших взаимоотношений. Безусловно, родилась идея побратимства не только с музеями, с литературными музеями Франции, но и идеи побратимства Ясной Поляны и город Ер, который, вы знаете, как важен для нашей семьи, как важен для Ясной Поляны, поскольку это город, в котором встречались, в котором бывал, жил любимый брат Льва Николаевича Толстого, Николенко. Здесь же он и нашел место своего упокоения. А Николенко, вы знаете, это тот самый заводила, человек, брат, который, в общем-то, придумывал игры для своих братьев и сестры. И какие игры стали для Толстого философией его жизни. Безусловно, каждый из вас знает его историю, историю «Зеленой палочки». И, конечно же, поэтому это побратимство для нас очень важным и принципиальным считается. Надеюсь, что мы, безусловно, продолжим работу в этом направлении. Очень важным считаем взаимодействие с библиотеками Франции, поскольку библиотека Льва Николаевича Толстого внесена в реестр памяти ЮНЕСКО, и мы ведем активную исследовательскую работу всех экземпляров, всех книг, которые хранятся в Ясной Поляне. Считаем важным изучение процесса чтения, поскольку Толстой всегда читал очень внимательно и оставлял свои заметки, пометы, и мы понимаем, с каким чувством и что особенно выделял он в той или иной литературе. Поэтому изучение библиотеки – это одно из самых главных наших научных направлений. Поэтому, в общем-то, мы мечтаем продолжить наше сотрудничество с библиотеками Франции. Может быть, я что-то забыла. Надеюсь, что Галина Витальевна, может быть, потом что-то еще дополнит в тех планах, которые мы выстраиваем в нашем взаимоотношении с французской стороной. И, безусловно, я бы еще хотела обратить внимание и сказать, что этот год, 2021 год, подарил лично мне знакомство, надеюсь, может быть, и дружбу с семьей Александра Константиновича Орлова. Замечательный человек, который приехал в Ясную Поляну. И было ужасно, невероятно приятное общение. И очень хочется продолжить эту дружбу, это общение. И передаю привет, Александр Константинович, вашей замечательной семье. Всем пожелания здоровья и радости. В общем-то, вот какие-то вот такие итоги 2021 года, года столетия. Может быть, я что-то забыла. Ну, надеюсь, что если будут какие-то вопросы, с огромным удовольствием отвечу на эти вопросы. И, безусловно, очень надеюсь, что когда-нибудь закончится пандемия, и я смогу всех пригласить в Ясную Поляну, потому что мы всегда всем рады. Ясная Поляна – это одно из самых гостеприимных мест на карте мира. Спасибо. Большое спасибо, Екатерина Александровна. Я думаю, что вопросы будут поступать в чате, но, может быть, кто-то захочет очно задать вопрос. Вероятно, все-таки в чате. Если вопросы будут поступать в чате, то позвольте продолжить наш разговор. И если вы не возражаете, то несколько слов
скажу я о научных и культурных связях Ясной Поляны и Франции. А можно мою презентацию? Да, сейчас мы готовимся, сейчас мы включим ее. Спасибо. Воспитание и формирование Льва Толстого, французская культура, французский язык, несомненно, играли большую роль. И в личной библиотеке Толстого, которая, как уже сказала Екатерина Александровна, с 2011 года внесена в реестр Всемирного документального наследия ЮНЕСКО «Память мира», сохраняется целое собрание, многотомное собрание книг и периодических изданий на французском языке. Многие из этих книг и журналов носят следы чтения Толстого. И среди этих книг есть такие авторы, высоко ценимые Толстым, как Жан-Жак Руссо, сочинения Монтескьё, Паскаля, Монтэня, Мопассана, Гюго, Десисмонди, Поля Лакруа, Дюма, Поль де Кока, Корнеля, Рассина и многих-многих других французских писателей. И вот сейчас, когда появится презентация, мы сможем взглянуть на те уникальные издания из личной библиотеки Толстого, которые хранят следы чтения Толстого, его внимательного прочтения, а также те издания, которые были присланы Толстому из Франции. И десятки книг, которые сохраняют дарственные надписи, прислали из Франции известные и совсем неизвестные современники Толстого. Это и писатели, и журналисты, и ученые, и деятели культуры. И вот сейчас вы увидите книги с автографами Анатолия Франца, книги, на которые... Вот сейчас появляется презентация. Пожалуйста, следующий кадр. Следующий слайд. Да, вот здесь вы видите Толстого с любимым братом Николаем Николаевичем, о котором говорила Екатерина Александровна. Следующий, пожалуйста, кадр. Вот перед вами книги с автографами тех корреспондентов Толстого, которые прислали к нему в личную библиотеку свои издания. Следующий кадр, пожалуйста. На этом слайде вы видите книги с автографами Анатолия Франца и Ромена Ролана. Дальше, пожалуйста. А здесь перевод очень известной программной статьи Толстого «Закон насилия и закон любви» на французский язык Ильей, известным переводчиком с русского на французский, Ильей Гальперином-Каминским. И здесь автограф, дарственная надпись графини Софьи Андреевны Толстой. А также справа вы видите страницу из книги Аугуста Мармона о наполеоновских войнах. Эта книга – один из источников, которым Толстой пользовался при написании эпопеи «Война и мир». Мы знаем, что список книг, которыми Толстой пользовался при написании эпопеи «Война и мир», состоит из более чем 70 названий. И среди этих названий много французских авторов, много французских историков, сочинения которых Толстой читал чрезвычайно внимательно с карандашом в руках. Пожалуйста, следующий кадр. Вот. А также на французском языке Толстой читал книги, сочинения Ильи Мечникова и оставлял пометы. И с огромным вниманием Толстой читает книги Эрнеста Ринана. И вот вы здесь видите развернутые маргиналии Толстого, которые рассказывают о том впечатлении, которое производит на Толстого этот автор. Пожалуйста, дальше.
А вот в последние уже годы жизни Толстого в его библиотеку пришла книга рассказов Мопассана. И вот обратите внимание, слева на оглавлении вы видите, Толстой представляет оценки по пятибалльной системе напротив тех рассказов, которые произвели на него особенное впечатление. Дальше, пожалуйста. Толстой впервые побывал во Франции в 1857 году и провел в Париже полтора месяца. Он наслаждался, как писал, Лувром, Версалем, консерваторией, театрами, лекциями в Сорбонне. Второй раз Толстой побывал во Франции в 1860 году. В это время Толстой увлекается педагогикой. Он в Ясной Поляне открывает школу для крестьянских детей, а в окрестностях Ясной Поляны Толстой открывает свыше 20 школ. Но Толстому необходимо новое знание, необходим новый опыт. И Толстой отправляется в путешествие по Европе для того, чтобы познакомиться с делом постановки образования и воспитания в европейских странах. И, естественно, Толстой приезжает во Францию, он встречается с известными педагогами, он посещает школы и уроки во французских школах. Но, к сожалению, этот приезд во Францию в 1860 году связан с очень печальным событием в жизни писателя. В этот год, можно сказать, на руках у Толстого умирает его старший, его любимый брат Николай Николаевич, Николенька, как Толстой его нежно называл. Должна отметить, что за год до своей смерти Толстой говорил: «Не французы чрезвычайно симпатичны и язык, и литература, и сами люди». Следующий кадр, пожалуйста. Поток посетителей, французских посетителей в Ясную Поляну не прекратился и в музейный период. И в наших регулярных международных научных конференциях, семинарах, писательских встречах принимают активное участие французы. По линии Ассоциации литературных музеев России и Международного комитета литературных... Следующий кадр, пожалуйста. Международного комитета литературных музеев ИКОМ, ЮНЕСКО, ICLCM. Мы сотрудничаем с Французской Федерацией домов музеев писателей. Екатерина Александровна уже коснулась этой темы. Следующий кадр, пожалуйста. Я хотела бы сказать, что в 2018 году, ровно три года, в ноябре 2018 года, мы принимали участие в ежегодной конференции Французской Федерации домов музеев писателей, которая проходила в Бурже, а также в музее усадьбы Жорж Санд в Нуане. И по просьбе моих французских коллег меня попросили выступить с докладом о деятельности Международного комитета литературных музеев и музеев композиторов ИКОМ ЮНЕСКО, который я в это время возглавляла. А в 2011 году, ровно два года назад, в ноябре 2011 года, следующий кадр, пожалуйста, на ежегодный международный форум ассоциации... Да, и вот я должна сказать, что в то время, когда проходила ежегодная конференция Федерации литературных музеев в Нуане, в музее-усадьбе Жорж Санд проходила выставка «Толстой и Жорж Санд», вот, подготовленная Государственным музеем Толстого в Москве. Следующий кадр, пожалуйста. И вот в ноябре 2019 года Международный форум Ассоциации литературных музеев России проходил в Ясной Поляне. И в Ясную Поляну мы пригласили президента Федерации музеев писателей Франции Алана Турне и его заместителя Софи Ваньовен-Юиз. И вот здесь, на этом слайде, вы видите, как Галина Витальевна Овчинникова проводит экскурсию для французской делегации по дому Толстого. Следующий кадр, пожалуйста. И здесь президент Федерации музеев писателей Франции выступает с пленарным докладом на форуме Ассоциации литературных музеев России в Ясной Поляне 28 ноября 2019 года. Галина Витальевна блистательно переводит его доклад. Пожалуйста, следующий кадр.
А здесь вы видите французскую делегацию, которые, представители французской делегации, которые участвуют в круглом столе на форуме литературных музеев России, и речь идет о деятельности Федерации музеев Франции. Вот, и здесь принимает участие сам президент Федерации литературных музеев Франции и его заместитель, а также наши коллеги из музеев Балтийских республик. Следующий кадр, пожалуйста. Вот, и здесь выступает, вы также видите выступление Алана Турне и его заместителя, в то время заместителя также и мэра города Буржа Суфи Ваньёвен-Юиз. Следующий кадр, пожалуйста. Мы продолжаем наше сотрудничество с Французской Федерацией, Федерацией музеев писателей. И несмотря на все пандемийные рестрикции, мы строим планы на наше дальнейшее сотрудничество и взаимодействие. И Екатерина Александровна уже об этом говорила. Я думаю, что эту тему продолжит и Галина Витальевна. Если можно, вернуться вот в те кадры, где участники конференции «Толстой и мировая литература» несколько кадров назад, и семинар переводчиков. Я просто хотела сказать несколько слов на несколько кадров назад. Да, да, вот еще немножко раньше. Да. Среди участников международной конференции, научной конференции «Толстой и мировая литература», который проходит в Ясной Поляне раз в два года и который проходит на базе личной библиотеки Толстого, в которой хранятся книги всех литератур народов мира. В этой конференции регулярно принимают участие известные французские ученые, русисты, специалисты по творчеству Толстого. Я хотела бы назвать имена Владимира Трубецкого, Карин Франсуа Денёв, Владимира Гудакова, Клод Саруже, Ани Кастанян, Жерара Абенсура, Франс Руа и многих-многих других известных французских ученых, которые приезжают на нашу конференцию. И следующий кадр, пожалуйста. А это участники нашего международного семинара переводчиков Льва Толстого и других русских классиков. И французские переводчики, французские исследователи также регулярные участники этого семинара. И я хотела бы назвать имена Мишеля О'Кутюрье, к сожалению, ныне покойного, Жоржа Нева, Мишель Кадо, Элен Анри, Пьера Бакаретти и многих-многих других, которые являются активными и постоянными участниками нашего семинара переводчиков. И передают в научную библиотеку нашего музея переводы сочинений Толстого и других русских классиков. Все новые и новые переводы. Нам чрезвычайно интересны и новые исследования, и новые переводы наших французских коллег, и которые всех, несомненно, обогащают и вдохновляют. И мы ждем наших французских коллег на наших конференциях и семинарах. Спасибо за внимание. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если они будут. А сейчас мы продолжаем нашу программу. И я хочу сказать, что нашим гостем в Ясной Поляне был Доминик Фернандес. И мы предоставляем слово писателю, члену Французской академии, автору книги «С Толстым», а также Ан Люфоль, члену бюро Ассоциации «Друзья Льва Толстого», замечательной актрисе, режиссеру и художнику. Вашу выставку, дорогая Ан Люфоль, мы надеемся увидеть в следующем году в нашей Тульской галерее «Ясная Поляна». Итак, Доминик Фернандес и Ан Люфоль. Пожалуйста. Ah non, non, allez-y, Dominique. Voilà, c'est à vous. Bon, bonsoir, merci. Je suis très heureux d'être là. Ça vibre. Voilà. Vous entendez, là? Bon.
Alors, moi, je suis un grand admirateur de Tolstoï. Et je me souviens que quand j'avais 15 ans, j'ai lu Guerre et paix en 3 jours et 3 nuits. C'était l'époque où les enfants lisaient, évidemment, il y a longtemps de ça. Et ça a été mon premier grand choc de lecture, je crois. C'était mon premier éblouissement. Et je considère toujours que c'est le plus grand roman jamais écrit. C'est vraiment le summum de l'art romanesque, de tout ce qu'on n'a jamais écrit sous cette forme. Et je ne vois que... Je ne peux le comparer qu'à l'Odyssée d'Homère, qui a ce même caractère de totalité, une façon d'envisager la totalité du monde, des sentiments, des situations, des drames, des bonheurs. Il y a ça chez Homère et il y a ça chez Tolstoï. C'est vraiment une odyssée de moderne. Alors après, évidemment, j'ai lu toutes les autres œuvres avec une admiration constante, les grands romans, évidemment, et en particulier un qui est un peu méconnu en France, qui est Résurrection, qui est un peu mal jugé souvent en France, parce qu'il y a un peu de préchat humanitaire. Mais en fait, il y a la critique du système carcéral et judiciaire russe à l'époque est extraordinaire. En particulier, il y a la messe qui est dite devant les déportés, les pauvres femmes déportées en Sibérie. Il y a une messe en slavon, auquel elles ne comprennent rien, et qui est décrite de façon extraordinaire, parce que sans jugement, c'est ça la force de Tolstoï, c'est qu'il ne juge pas. Tout ce qu'il condamne, il ne juge pas. Il le présente tel quel, et c'est au lecteur de juger. Et dans cette messe, il décrit le prêtre qui pose les objets, il pose sur la table, il ne dit pas l'autel, il dit table, parce que c'est pour les gens, c'est une table. Il pose une coupe, c'est l'objet religieux, et il a une espèce de carapace, c'est sa chasuble, enfin son costume religieux. Tout ça est décrit d'une façon complètement objective, neutre, mais qui a une force beaucoup plus grande que s'il avait dit cet affreux prêtre ou cet affreux discours. C'est ça qui est fort chez Tolstoï, d'ailleurs, dans Guerre et paix, c'est ça, c'est qu'il ne juge jamais, il décrit ce qui est, et c'est au lecteur, et c'est ça le plus grand art. Donc, je vous rappelle Napoléon, qui n'aimait pas, évidemment, il dit simplement, à un moment, Napoléon prend sa douche, et l'eau coule sur son dos gras. Vous voyez, ça dit tout. C'est une façon de stigmatiser cet envahisseur avec ce mot, le dos gras. C'est ça qui est très, très fort chez Tolstoï. Alors, j'ai lu et j'adore les nouvelles aussi, évidemment, La mort d'Ivan Illich, le Hadji Mourad, le Maître et serviteur. Enfin, il y a deux volumes de nouvelles qui sont vraiment extraordinaires. Je dis ça pas parce qu'on est ici pour célébrer Tolstoï, mais parce que je le pense vraiment. Et depuis l'âge de 15 ans, ça fait donc pas mal de temps, je le relis continuellement, c'est une source de bonheur littéraire et moral aussi. C'est un Guerre et paix, c'est aussi un livre de sagesse, un livre qui vous élève, qui vous porte très haut dans la compréhension de l'humanité. Oui. À vous un peu. Bon, bonsoir. Plusieurs choses effectivement me viennent en mémoire maintenant, et ce que vient de dire Dominique Fernandez à propos de résurrection est exactement ce que je pense. Pour moi, ce n'est pas au-dessus d'Anna Karénine ni de Guerre et paix, mais cela en fait partie. Et très souvent, on oublie ce roman. Ceci dit, je voulais simplement dire un mot sur l'écriture de Tolstoï à propos des femmes. Les femmes sont de toutes les classes sociales, mais particulièrement,
c'est très difficile à expliquer, mais il donne un caractère à chaque femme, comme s'il avait la sensation lui-même de ressentir les sentiments des femmes. Il est capable de décrire l'amour d'une femme pour un homme, pour un enfant, comme si c'était une femme qui le pensait. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire parce que c'est assez rare chez les écrivains. Et mais lui a le fondement même du tempérament des femmes. Ça me subjugue beaucoup. Je voudrais dire que à ce sujet-là, et grâce à Dimitri Tolstoï que je vois ici présent à l'écran, qui est président de notre association à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir écrire une pièce de théâtre sur la vie de Sofia Tolstoï, fondée même sur ses mémoires qui s'appellent « Ma vie », 2000 pages qu'elle a écrites dans les dernières années de sa vie et qui décrit toute cette vie de Yasnaya Paliana absolument riche en événements, riche en sentiments. Et cette femme, c'est pour ça que je parle des femmes, a eu une vie extraordinaire dans le sens extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a vécu avec un des plus grands hommes, un des plus grands écrivains, mais elle en a subi les conséquences, elle en a subi une vie un peu compliquée, mère de 13 enfants, poète, écrivain, musicienne. Elle jouait à quatre mains avec Tolstoï. Si vous allez à Yasnaya Paliana, et vous pouvez voir encore le piano, qui n'était pas un Becker comme. Qui était un Becker, justement. Mais cette vie à Yasnaya Paliana est réellement une vie très riche, dans le sens où, recopiant six fois, par exemple, Anna Karénine, pour son mari, et tout autant les autres textes d'ailleurs qu'il a écrits, on devine une femme extrêmement active, extrêmement, non pas asservie parce que c'est un mot vulgaire, mais dévouée à cette famille, à ce temple de la littérature, de cette vie artistique. Et par ailleurs, elle avait quand même cette notion de se dire « si je n'étais pas là, si j'étais à un autre endroit, que serais-je devenu ? Est-ce que j'aurais pu exercer l'amour de la littérature, l'amour de la musique ? Est-ce que j'aurais pu en faire autre chose que d'être en permanence au service de mon mari, de mes enfants ?» Voilà. Et je voulais dire aussi une chose qui, pour moi, est importante, c'est que grâce à Turgenev, à Ivan Turgenev, lorsque Léon Tolstoï est rentré de la guerre de Crimée, il a rencontré son ami. Pose ton épée et reprends ta plume, après avoir lu justement Enfance et adolescence et divers nouvelles qu'il a écrites tout à fait au départ. Au départ de cette idée que Turgenev a eue de lui dire et de le relancer dans cette vie littéraire a pour moi quelque chose de symbolique, et voilà ce que je voulais vous dire. Bien. Je voudrais ajouter aussi que les derniers textes de Tolstoï, qui sont beaucoup moins connus en France, sont passionnants. C'est qu'à la fin de sa vie, Tolstoï était très contestataire, rebelle à tout l'établissement. Il a été à l'Église, à l'État, il a été excommunié d'ailleurs. Et il a écrit des livres tout à fait curieux qui ont été traduits de son vivant par Bienstock et Alperine Kaminski, et qui maintenant n'ont jamais été réédités, qu'on ne trouve pas, sinon quelquefois chez les bouquinistes. Parmi un livre contre Shakespeare, c'est tout à fait curieux, parce qu'il dit que Shakespeare, c'est invraisemblable, ces histoires. Ce roi Lear, ce Hamlet,
ce n'est pas dans la réalité. Lui qui avait le sens des choses réelles, de la mesure, il y a tout un livre tout à fait extraordinaire. Et alors, il y a aussi des textes contre Wagner. Alors, il n'aimait pas Wagner, d'après ce qu'il connaissait, et un ami l'entraîne un jour voir Siegfried. Il va voir Siegfried et il décrit Siegfried, mais c'est très très drôle, avec un humour extraordinaire, parce qu'il dit que Siegfried, à un moment, il prend une hache pour tuer un ennemi. Et Tolstoï dit, écoutez, moi je sais ce que c'est qu'une hache, parce que Tolstoï savait construire une cabane avec une hache. Il dit, personne n'a jamais manié une hache comme ces acteurs que j'ai vus. C'est très très drôle. Et il a écrit un livre contre le tabac aussi. Il a écrit une série de livres polémiques contre les valeurs reçues, contre les valeurs conventionnelles. Et ça prouve une liberté d'esprit, une jeunesse d'esprit, parce que c'est des livres qu'il a écrit très tard, hein, dans les années 1900. Et je trouve qu'on. Il y a, le plus important s'appelle Qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que l'art ? Qui est vraiment un livre fondamental. C'est un livre de combat où il dit que l'art, tel qu'il est pratiqué, est quelque chose qui est fait pour les privilégiés, pour l'élite, pour les privilégiés, dont le peuple est exclu. C'est le peuple qui travaille, les imprimeurs, les procs, les artisans, mais ce n'est pas eux qui en profitent, ce sont les gens riches à l'époque. Et ça reste très actuel, finalement. Hein. C'est un objet polémique, c'est un débat qui est sans cesse repris. Et c'est quand même le Tolstoï qui est le premier qui a osé mettre en doute non pas la valeur de l'art, non pas l'utilité de l'art, mais le fonctionnement de l'art, qui fonctionne pour quelques-uns, repose sur le travail de beaucoup, mais ne profite qu'à quelques-uns. C'est vraiment un texte tout à fait extraordinaire, je trouve, et qui en France, en tout cas, on ne trouve pas. Hein. Moi, je l'ai trouvé avec des longues recherches. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté à propos de la musique, par exemple. Il adore la musique, il en joue, il joue du piano, il joue à quatre mains, Haydn, Mozart. Et en même temps, il écrit la sonate à Kreutzer. Et c'est là que la musique, pour lui, éveille des sentiments d'ordre, comment pourrait-on dire, sexuel. Et il l'aime et il la redoute. Il y pense et ne veut plus y penser. Il en souffre et il fait souffrir les siens. Sonate à Kreutzer est écrite en Russie. À l'époque, on ne pouvait pas tuer sa femme. D'ailleurs, toujours pas, mais nous non plus d'ailleurs. Mais le fait que Sofia Andreevna ait été obligée de partir pour Saint-Pétersbourg, d'aller rencontrer le tsar pour que la sonate à Kreutzer puisse être imprimée, c'est réellement une preuve que le sujet était très compliqué. Donc, la musique éveillait des sens, éveillait donc la jalousie et en est arrivée au crime. Vous êtes d'accord, Dominique ? Oui, tout à fait. Et voilà ce que l'on peut dire. Donc, il aime et il redoute. Et je pense que c'est dans beaucoup d'autres domaines comme ça. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Alors, c'est en fait, c'est une oreille, Tolstoï, et c'est un œil, peut-être surtout un œil. Et actuellement se tient une superbe exposition Répine au Petit Palais. Et ça, ceux qui n'ont pas vu, allez-y, moi je suis allé deux fois déjà. Alors pour le public français, moi je connaissais ces tableaux, je les ai vus en Russie, mais quand on pense qu'il n'y a pas un seul tableau de Répine en France, ni au Louvre, ni nulle part ailleurs, il y a une méconnaissance totale. C'est un immense peintre. Alors, lui est allé trois fois à Yasnaya Polyana, Répine, et il a fait, je ne sais pas combien, une vingtaine de portraits de Tolstoï. C'est un portraitiste absolument génial. Et alors, le dernier, le plus émouvant et bouleversant, il est fait en 1909, c'est-à-dire un an avant la mort de Tolstoï. C'est le portrait, il est assis sur un fauteuil rose. Et c'est vraiment un grand vieillard, parce qu'à l'époque, il avait 81 ans. À l'époque, c'est comme 101 ans aujourd'hui, je veux dire. C'était,
Et qu'est-ce qui reste vivant et jeune? C'est le regard. C'est un tableau extraordinaire parce que tout est décrépit partout. On voit que c'est le poids de l'âge qui l'accable. Et l'œil est resté juvénile, l'œil est resté extraordinaire. Il y a aussi un autre portrait, un petit tableau, on voit Tolstoï, beaucoup plus jeune, enfin quand même, il avait bien 60 ans, en train de labourer, il conduit une charrue tirée par un bœuf. C'est un petit tableau extraordinaire. Il y a plusieurs tableaux. Puis il y a beaucoup d'autres portraits. C'est un génie. C'est une très, très belle exposition, très grande, très bien documentée, avec des explications, des panneaux. Il y a un catalogue très bien fait. C'est vraiment un apport essentiel à la culture artistique de l'Europe qui a été réalisé là. Oui, je ne peux pas la poser la question à M. Fernandez, parce que je ne pense pas qu'il parle russe. Non, dites-moi, oui, ma question est la suivante. C'est ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce dont je connais, il y a deux écrivains dans le monde qui ont, du moins à l'époque, ont écrit en se mettant à la place d'une femme, donc c'est Anna Karina. Et que pensez-vous entre Anna Karina et Madame Bovary de Flaubert? Ça m'intéresse énormément. Parce qu'il y a une anecdote qui court en Russie, enfin qui court en Russie, je ne sais pas si elle est vraie, c'est qu'en fait, Flaubert avait écrit ce livre 7 ans avant, de mémoire, 7 ans avant Tolstoï, Anna Karenine. Et paraît-il que dans un salon, un jour, un écrivain qui voulait un petit peu taquiner Tolstoï, lui avait dit « Avez-vous lu Madame Bovary ?» Et il a répondu « Oui, évidemment, je l'ai lu. » Cet écrivain, paraît-il, lui avait répondu « Il faut quand même reconnaître, on n'atteindra jamais le niveau des Français. » vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que cette anecdote est vraie? Et ensuite, paraît-il que quelques années ensuite, toujours dans ce salon, Tolstoï lui a posé la question à cet écrivain en lui disant « Avez-vous lu Anna Karenine ?» Une sorte de légende, qu'il y avait une sorte de compétition, si vous voulez, entre Russes et Français, c'est-à-dire la démonstration que je peux faire mieux que l'autre, est-ce vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, moi, j'ai jamais entendu cette anecdote. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas vraie. Pour moi, l'écrivain français le plus proche de Tolstoï, ce n'est pas Flaubert, c'est Stendhal. Et on sait très bien qu'il avait lu la chanteuse de Parme, et en particulier la bataille de Waterloo vue par Fabrice. Vous savez, Fabrice... Et là, la bataille, mais il ne s'aperçoit pas que c'est une bataille. Il est là parce que, en effet, quand on est dans un soldat dans une bataille, n'a pas une vue panoramique de la bataille. Il n'y a que les généraux, peut-être. Lui, c'est un pauvre type dans un champ de betteraves, dans la boue. Et Tolstoï, ça a beaucoup frappé parce que il s'est en inspiré dans ses descriptions de bataille, justement. Il n'y a jamais de panorama. C'est toujours des choses très précises, des détails, des faits très précis qui arrivent à tel soldat, tel officier. Alors, Flaubert, je ne sais pas. Et Stendhal aussi, avec Stendhal, il partage certains effets de style. C'est-à-dire écrire 3 pages et en retirer 2. Vous savez, c'est le conseil, enfin la moitié en tout cas. Stendhal conseillait aussi de beaucoup retrancher. Parce qu'on a tendance à écrire, à être trop prolifique, en dire trop, parce qu'on a peur de ne pas en dire assez, alors on en dit trop et on bavarde. Il y a des clichés, des chevilles. Et Tolstoï, il y a des textes où il dit justement, l'art d'écrire, c'est l'art de retrancher.
Et ça, c'est un conseil que trop d'écrivains oublient, je crois. Il y a beaucoup de romans aujourd'hui qui paraissent, et qui pour, réduits de moitié seraient bien meilleurs, je pense. Mais il faudrait Et ça, Tolstoï est un très très bon maître. Alors ça, c'est pour les rapports Tolstoï-Stendhal qui sont avérés. Et c'est, alors pour Flaubert, je ne sais pas. Évidemment, il y a des parallèles. Ces histoires, ces deux femmes malheureuses, adultères, tout ça. Mais c'est tellement différent comme art, je trouve. Flaubert, c'est carré, c'est serré, c'est buriné, c'est presque des sculptures. Tandis que Tolstoï, c'est plutôt des peintures, c'est beaucoup plus. C'est plus. Ça passe ce côté fermé. C'est plus ouvert sur le monde. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais enfin, c'est vrai qu'on peut les comparer. C'est un sujet classique, d'ailleurs. Anna Karenine et Emma Bovary. Moi, je ne pense pas. Flaubert est très différent parce que Flaubert, c'est un grand écrivain, mais très laborieux, qui travaille à l'infini. Tolstoï aussi travaillait, il faisait beaucoup de versions de chacun de ses livres. Mais Tolstoï faisait beaucoup de versions de ses livres, hein, mais il ne les gueulait pas comme Tolstoï. Il y a une espèce de manie de perfection chez Flaubert qui n'est pas chez Tolstoï. Mais je ne sais pas si je ne peux pas. Oui, ça je ne sais pas. Oui. Vous savez, on peut être admiré un livre sans être influencé. Hein. Stendhal, c'est sûr qu'il n'a pas. Enfin, Stendhal, il a trouvé des conseils chez Stendhal, si vous voulez. Voilà. Oui. Если позволите, я просто хотел бы попытаться ответить на этот вопрос. И дело в том, что вот летом этого года вместе со своей семьей посетил музей-усадьбы Ясная Поляна. И потом можно еще задать вопрос? На семейном кладбище Толстых, где похоронены очень многие члены семьи Толстой и некоторые другие интересные люди. И нас сопровождал научный сотрудник музея Ясная Поляна и показал, в частности, две могилы. Сказал, что вот здесь похоронена женщина, которая была прообразом Наташи Ростовой в «Войне и мире». А здесь вот похоронена женщина, которая имела такую же судьбу, как Анна Каренина. Она тоже бросилась под поезд. И она вот дала толчок Льву Толстому написать роман «Анна Каренина». Поэтому я не слышал историю насчет Флобера, но вот могу вам сказать, что видел сам могилу женщины, которая была прообразом Анны Карениной для Льва Толстого. Просто хотел бы дать некоторые пояснения и попытаться ответить на ваш вопрос. Спасибо. Et moi, je permets de passer la parole peut-être à notre modérateur, Галина Васильевна. Если решите, я передал бы слово сейчас нашему модератору, Галине Васильевне, потому что она, по-моему, тоже хотела задать вопрос или дать возможность задать вопрос. Да, но если все уже задали вопрос, то я позволю, если вы не возражаете, я хотела бы тоже задать Доминику Фернандезу вопрос, над чем сейчас писатель работает, какие ближайшие планы. Oh, oui, bien sûr, c'est les écrivains écrivent. Hein, c'est... mais j'ai un grand projet qui peut vous intéresser. C'est un essai sur le roman soviétique. Parce que pendant toute la période soviétique, pendant les 70 ans de soviétique, les Russes ont continué à écrire et après la chute de la dictature, tout ce qu'ils ont écrit est tombé dans l'oubli. Parce qu'évidemment, avec le discrédit du régime, du stalinisme, tout ça est tombé. Alors, il y avait des romans de propagande assez mauvais,
Et il y avait aussi des très grands écrivains qui ont écrit, et je pense à Paustovski, Alexei Tolstoï, un autre Tolstoï qui n'a rien à voir, qui sont des grands écrivains qui n'étaient pas du tout politiques, qui ne faisaient pas du tout politique, ils n'écrivaient pas par référence au régime pour célébrer le plan quinquennal ou la construction d'un barrage. Ils écrivaient des livres, des romans intemporels, si je dis. Mais eux aussi, ils ont été engloutis dans le naufrage général. Alors j'essaye de faire un livre, un essai. Donc j'essaie de pas de réhabiliter, mais d'expliquer, de montrer au public français que tout n'est pas à jeter, qu'il y avait des choses remarquables. Parce que je pense que la littérature russe est tellement riche du 19e siècle, c'est pas tout d'un coup éteinte. C'est pas du tout éteinte parce qu'il y avait une dictature. Il y a beaucoup d'écrivains qui n'étaient pas du tout des valets de Staline. Il y en a eu, mais d'autres qui écrivaient et qui pouvaient publier. Et en particulier, il y avait un genre qui était très utilisé, c'était l'humour. Il y a un écrivain merveilleux qui s'appelle Zoschenko, je ne sais pas si je prononce bien, qui écrit des livres, qui attaquait le régime, mais avec des plaisanteries. Et donc, il pouvait publier. Il était autorisé à publier. Il y avait Yves et Petrov aussi, les 12 chaises, qui sont des satires du stalinisme, mais qui étaient admises parce que c'était des plaisanteries. Ça n'avait pas l'air sérieux, alors que c'était très sérieux. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Et puis, donc, il y a beaucoup de livres vraiment très, 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 très intéressants. Ça, en ce moment, je travaille à ce livre qui est prévu pour 2023. Voilà. C'est un gros livre, hein, de 400 pages. Parce qu'il y a une très riche matière. Et vous savez qu'en France, il y a eu deux, pour l'histoire des rapports littéraires franco-russes, il y a eu deux périodes, d'abord tout de suite après la Révolution, chez Gallimard, il y avait une collection jeunes russes, qui était dirigée par Boris de Schleuser, qui était un russe qui habitait la France, et ils ont publié... Déjà, les Babel, Pilniak, et puis en 1960, Aragon a créé une collection chez Gallimard aussi, qui s'appelle Littérature soviétique, et il y a à peu près une cinquantaine de volumes, tout à fait intéressants. Là, il y a Paustovski, par exemple, il y a eu Tinianov, il y a eu Trifonov, il y a eu... Enfin, beaucoup d'autres, tout à fait remarquables, et ça, ces livres sont disparus aussi. On ne les trouve plus. Gallimard ne les réédite pas. Alors, de temps en temps, sur les quais, chez les bouquinistes, on en trouve. Mais il y a eu ces deux grandes percées du roman russe contemporain, et puis après, ça s'est fini. Mais il y a encore beaucoup à redécouvrir, à mon avis. Est-ce que vous permettez que je lise un passage de votre livre, le livre sur avec Tolstoï? En fait, à la fin, voilà ce que vous dites. Tolstoï dérangeait, et aujourd'hui, il continue à déranger. Seulement, le style de l'opposition a changé. On fait la politique de l'autruche. On passe sous silence la partie violente de l'œuvre. On la cache. On ne la réédite pas. Dans les études sur Tolstoï, on l'escamote. On répand le bruit que Résurrection et les derniers contes ne valent pas grand-chose. Les textes sur l'éducation, sur l'État, sur l'Église, sur l'armée, sur l'art, tout au plus, condescendons à en sourire.
reste le romancier des Cosaques de Guérépé, d'Anna Karénine et de la mort d'Ivan Illich de H.G. Murat. L'écrivain est universellement admiré à condition qu'on oublie les idées qui sous-tendent ses livres. Vous êtes toujours d'accord ? Toujours d'accord, ce que j'ai dit, c'est que Tolstoï était à côté de sa terre. Hein. Aujourd'hui, il serait peut-être... Il descendrait avec les gilets jaunes dans la rue pour contester les autorités. C'est ça qui est merveilleux. Et plus il vieillissait, plus il contestait. Au point d'être excommunié par l'Église. Et s'il n'avait pas été aussi célèbre que Tolstoï, il aurait fini en prison. Seulement, le tsar était forcé de le respecter parce que il avait une telle gloire universelle qu'on ne pouvait pas le toucher. Mais enfin, il dérangeait sérieusement. Hein. Est-ce que vous voulez que je lise autre chose de ah ben, je sais pas, écoute... Pardon ? Oui, vous êtes d'accord ? Alors, quatre périodes donc dans sa vie, mais qui se ramènent à deux si on considère la fracture médiane. Jusqu'à 50 ans, Tolstoï mène une carrière et acquiert une gloire d'écrivain. Après 50 ans, cette sorte de gloire, lui paraissant futile et amorale, il prend congé de la littérature et se consacre au salut de son âme. Ainsi, du moins, a-t-il fixé lui-même son profil biographique pour le donner en exemple. En réalité, son idéal était défini dès la fin de son adolescence. À 19 ans, il avait adopté la philosophie qu'il essaierait d'appliquer quelques 30 ans plus tard, effort pour s'élever, chute, résolution, rechute. Son existence n'a été qu'un long combat vers le but qu'il s'était choisi au sortir de l'enfance. Merci. Voilà. Si vous voulez, je peux vous en donner encore un autre. Si Dostoïevski, alors on revient à une autre affaire, fait penser à la tragédie grecque, Tolstoï est dans la ligne de l'épopée grecque. À Guerre et Paix, je ne peux comparer que l'Odyssée. En lisant l'Odyssée, nous ne sommes pas plus pressés d'arriver au bout du périple qu'Ulysse de rejoindre Ithaque. Nous n'avons aucune hâte de mettre fin à un voyage qui nous réserve de continuelles surprises, de continuels bonheurs. Nous nous laissons porter de ci, de là, séduits, charmés par le chatoiement des multiples épisodes. Aucune chose ne compte plus qu'une autre, car tout compte. Il n'y a aucun incident, aucun détail qui soit plus important, comme il n'y en a aucun qui soit insignifiant. Tout a une égale valeur. Le manque de points forts fait la vigueur de l'ensemble. Oui, merci. C'est ça qui est remarquable, entre autres, chez Tolstoï, c'est le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'importance des êtres ou des choses. Dans Guerre et Paix, le paysan est aussi important que le tsar. Tous les détails, tous les incidents, si menus soient-ils, ont la même importance que les grands événements. Vous savez, très souvent, les historiens écrivent, enfin autrefois surtout, écrivaient l'histoire à travers les grands événements, les grandes dates, les batailles, les traités. Tout ça inaugure l'histoire moderne, enfin l'histoire moderne qui est maintenant de traiter l'histoire par en bas, on peut dire, en s'intéressant aussi bien au climat qu'il faisait à cette époque, à ce que les gens mangeaient, comment les gens vivaient. C'est ça l'histoire, c'est pas seulement les grands faits historiques. Et ça, c'est très Tolstoï. Voilà, vous ajoutez ceci, si je peux me permettre. Tolstoï, comme Homère, ne s'écarte jamais du ton juste. Je crois même que ce sont les deux seuls écrivains au monde dont l'œuvre, tout en étant souverainement belle, est cette parfaite adéquation à la vie, à ce que la vie a de positif, à ce qu'elle a de négatif, à ce qu'elle présente d'amusant, de gai, de douloureux, de terrible, le plus souvent de banal.
Extrême difficulté de garder du style pour peindre ce qui n'est que commun. Beaucoup d'écrivains ont essayé, tous ont échoué en dehors de ces deux-là, si l'on accepte quelques voix mineures, comme celle de Tchekhov. Bon, ça, je ne dirais pas ça, moi, mais bon, c'est... jamais. Non, Tchekhov est un immense écrivain, mineur, oui. C'est par rapport... Oui, oui, j'ai compris. Le Mont Blanc par rapport à l'Himalaya. Enfin, voilà, mais je voulais que vous me le disiez. Voilà. Jamais un seul effet chez Tolstoï. Il ne dépose jamais sa plume fine pour souligner au fusain. Il ne cherche pas à frapper, à retenir. Il nous éloigne peu à peu du rivage et captivé par l'immensité de la haute mer dont le spectacle change sans cesse tout en demeurant le même, nous ne pensons plus au but du voyage. Tolstoï ne s'appuie pas sur des théories biscornues comme Balzac, il ne cherche pas à résoudre son équation personnelle comme Stendhal, il ne s'ingénie pas à tirer des ficelles comme Dickens, et Dieu sait si ces trois romanciers me sont chers, mais Tolstoï me paraît supérieur, car lui seul s'assied tranquillement au gouvernail et raconte ce qui arrive sans grossir les événements, sans dire plus que ce qui est, sans se mettre en valeur par des recherches d'écriture, sans chercher d'aucune façon à paraître original. Il reste de plein pied avec la vie, avec les choses, avec nous. Pardon de parler avec tant de platitude de ce qui n'est jamais plat chez Tolstoï. Oui, ce qui est unique chez Tolstoï, c'est qu'il raconte ce qui est. C'est très difficile parce que quand on est un écrivain, j'ai tendance à amplifier, à mettre un haut-parleur, des micros. Lui, il décrirait les tuiles lunettes, tranquillement, le micro, tout ça. Il décrit ce qui est sans jugement. C'est ça qui est sa force unique. Parce que chez les autres écrivains, il y a toujours une arrière-pensée, un point de vue. Lui, il n'y a pas de point de vue. C'est en effet comme Homer, c'est l'art de poser devant le lecteur ce qui est. Галина Васильевна, пожалуйста, берите. Благодарим за прекрасное выступление Доминика Фернандеза и Ан Люфоль. Большое спасибо, мы получили искреннее, истинное наслаждение. И до новых встреч с вами в Ясной Поляне. А сейчас я с удовольствием предоставляю слово правнуку Льва Николаевича Толстого, художнику, дизайнеру, фотографу Дмитрию Толстому. Пожалуйста, Дмитрий. Bonsoir. Tout le monde m'entend bien. Alors moi, je voulais parler de l'association des amis de Léon Tolstoï, qui était très cher à mon papa, qui l'avait fondé en 1977 pour, à l'occasion du 150e anniversaire de son grand-père, de sa naissance en 1900, qui avait commémoré sa naissance en 1978 pour son 150e anniversaire. C'est une association qui se propose de rassembler et tous ceux qui s'intéressent à la personne de Léon Tolstoï, à son œuvre également. Et son but est d'organiser des manifestations, des conférences, des projections de films, ainsi que des voyages en Russie, quand on peut évidemment. Et une fois par an est organisée une journée Tolstoï consacrée à une œuvre ou à un aspect particulier de l'œuvre de l'écrivain, réunissant les meilleurs spécialistes français et étrangers. Nous avons eu déjà depuis de très longues années des conférences avec comme thème la nature dans l'œuvre de Tolstoï, la campagne, l'héritage de Léon Tolstoï, des conférences aussi organisées par M. Jean-Claude Marcadet, Léon Tolstoï vu par les peintres russes, Tolstoï et la vie intellectuelle de son temps, et plein d'autres dont je vous parlerai également. Quand papa est décédé, ma maman Colette Tolstoï, que tout le monde connaît pratiquement, je pense,
avait repris l'association. Et Colette vous embrasse, maman va bientôt avoir 93 ans, maman est assez fatiguée, et donc ne pouvant plus s'occuper de l'association, j'ai décidé en 2018 de la reprendre, et j'ai appris après, comme si c'était un secret, que mon papa aurait dit à maman, je pense qu'il y a un de mes fils qui pourra reprendre l'association, ça sera Dimitri. Donc je suis très honoré de représenter mon père, de représenter mon arrière-grand-père à travers plein de sujets que nous essayons d'organiser à Paris. Et par ce même biais, nous essayons également, hormis la journée littéraire qui donne lieu une fois par an à des cahiers avec des thèmes qui sont bien précis, des cahiers que nous éditons, que l'association édite, qui sont en ligne maintenant auprès de l'Institut des études slaves, mais que certains, j'ai récupéré les originaux, et donc nous avons encore plein de cahiers très intéressants, dont certains thèmes qui sont Anna Karénine, Tolstoï et le théâtre, les héritiers de Tolstoï dans la littérature russe, le Caucase dans la culture russe, Tolstoï et les paysans, Tolstoï et ses adversaires, Tolstoï et la musique, Tolstoï et le cinéma, le dernier étant le monde des objets dans l'œuvre de Tolstoï. Nous avons commémoré également, et c'était tout à fait normal, le 100e anniversaire de la mort de Sofie Andreïevna, qui, je pense, comme le disait tout à l'heure notre amie Anne Neufel, est une femme sans laquelle Léon Tolstoï ne serait jamais devenu, n'aurait jamais écrit ce qu'il avait écrit. Même si, lors de la sonate à Kreutzer, elle était évidemment contre ce livre, puisqu'elle avait demandé l'audience au tsar pour que ce livre ne soit jamais édité, ce qui n'a pas été le cas. Mais quand M. Fernandez parlait tout à l'heure, évidemment, de Tolstoï, avec justement excommunié, qu'il avait écrit au tsar en disant qu'il n'était pas du tout d'accord avec le régime qu'il pratiquait, et que si ça continuait, il y aurait certainement une révolution dans ce beau pays. Il n'avait pas tort. Et quand la famine a eu lieu dans les années 1880-85, je crois, le tsar ne voulait pas qu'on en parle, et Tolstoï et sa famille avaient déjà inventé les premiers restaurants du cœur, où ils distribuaient de la nourriture autour de Yasna Paliane pour tous les paysans qui n'avaient plus rien à manger. Donc tout ça, effectivement, pour moi, font en sorte que c'est un homme merveilleux, est un grand homme et qui a toujours vécu avec ses préceptes, à savoir, il n'a, même si les gens n'étaient pas d'accord avec lui ou avec ses idées, il a toujours vécu avec ses idées, et ses idées, il les respectait. La terre, à la fin de sa vie, évidemment, il cultivait avec les paysans pieds nus dans la terre, parce que pour lui, la terre, évidemment, était la seule chose intéressante, parce que c'est ce qui pouvait nourrir l'homme. Donc, voilà, je ne veux pas parler de tous ces préceptes, parce qu'il y en aurait beaucoup trop, mais nous avons eu également, et j'essaye également de trouver des sujets qui sont peut-être un peu moins intellectuels, si je puis dire, mais aussi un peu ludiques, pour que dans notre association puissent aussi arriver des personnes qui ne sont pas forcément que des écrivains ou que des intellectuels ou que des philosophes, pour essayer aussi d'élargir un peu la pensée tolstoïenne, et c'est ce que mon papa avait eu toujours comme idée. Donc, je m'en étais souvenu. Et donc, nous avons monté aussi quelques sujets un peu ludiques avec notre amie Françoise Navaille, qui fait partie de l'association, qui est la grande spécialiste du cinéma russe et soviétique du 19e et du 20e siècle. Et nous avons trouvé un sujet qui était Tolstoï et le cinéma. Ce n'étaient pas les œuvres de Tolstoï dont on parlait, mais c'est dont certains réalisateurs et personnes qui ont emparé l'image de Tolstoï pour les faire figurer dans leurs films. Dont une anecdote qui était très drôle, je crois que tout le monde connaît le réalisateur américain Steven Spielberg, qui avait écrit cette trilogie de Indiana Jones, qui était cet aventurier qui parcourait le monde pour récupérer des trésors égyptiens et blabla et blabla. Et donc, il avait inventé une série qui était le jeune Indiana Jones, qui était une série qui a peut-être eu 6 ou 7 épisodes. Et ce jeune Indiana Jones avait une possibilité, c'est qu'il pouvait remonter dans le temps. Et il y a un épisode où on le trouve, où il retrouve Léon Tolstoï et il essaye de lui apprendre à jouer au baseball. Donc voilà. Donc ça, ce sont des petites choses un peu rigolotes et intéressantes qui mettent aussi un peu l'image de Tolstoï dans un domaine qui n'est pas que littéraire. Nous avons également
Et grâce à, comme Anne Le Foll l'a dit, nous avons pu monter cette pièce avec le travail gigantesque d'Anne et de sa fille, dont une représentation a eu lieu encore hier soir au Centre culturel russe Quai Branly, qui était une très jolie représentation. Elle avait été jouée la première fois dans un théâtre dans le 18e arrondissement et la deuxième au Centre culturel russe rue Boissière, où, évidemment, cette pièce a eu beaucoup de succès. Donc, nous essayons, par le biais de cette association, évidemment, de diversifier l'œuvre de Tolstoï, vue par des spécialistes et aussi par des moins spécialistes, et ce qui donne aussi un débat très intéressant. Il y a également, évidemment, comme vous le savez, vous en avez parlé tout à l'heure, cette exposition Répine, où Tolstoï, je crois, a peint plus que 20, ou même des dessins entre 60 et 70, entre lui et sa famille, dont une peinture, je crois, ou deux sont taillées à Saint-Palian, et surtout un livre de correspondance qui a été édité récemment, où ce sont les lettres que Répine a écrites à la famille Tolstoï, surtout à une de ses filles dont je crois qu'il était un peu amoureux. Et c'est vrai que cette exposition est merveilleuse et que je recommande à tout le monde. Et nous avons également, grâce à la Sorbonne, un événement là, qui va avoir lieu samedi prochain, qui va être Tolstoï, je vais vous dire ça tout de suite, néo-écologiste, qui va être une part de découvrir la part de l'œuvre de Tolstoï consacrée à la non-violence, à l'argent et du modèle productiviste illustré de photographies issues du fonds Tolstoï, qui sont évidemment un fonds Tolstoï incroyable, parce que pour vous le rappeler, Sofia Andreyevna aussi était photographe. Je suis moi-même photographe, donc je pense que j'ai hérité un peu de son talent, peut-être plus que celui de mon arrière-grand-père, mais voilà, mon métier est la photographie, et je suis très fier aussi d'être le descendant de Sofia Andreyevna, et toutes ces photos sont magiques, le livre ou deux livres qu'elle a publiés aussi sont magnifiques, et c'est grâce aussi à ce fonds Tolstoï que nous avons pu illustrer la pièce « Ma vie dans l'art », qui relate évidemment de la vie de Sofia Andreyevna avec son mari. Donc voilà, donc nous essayons et nous mettons, de plus en plus de personnes deviennent de plus en plus intéressées et sont très intéressées par ce que l'association et ce que tout véhicule Léon Tolstoï autour d'eux. Il n'y a pas que l'association d'ailleurs qui organise des événements. Récemment, un événement magnifique a été organisé au Centre culturel russe Quai Branly, qui était Tolstoï et la musique, avec en narration la voix de ma cousine germaine Martha Albertini. Et donc, c'était très intéressant de voir à quel point Tolstoï, évidemment, avait des musiciens et des compositeurs qu'il aimait. Et une anecdote qui était très drôle que j'ai apprise, c'est que Tolstoï, évidemment, comme tout le monde le sait, adorait Beethoven, qui était peut-être son compositeur préféré, entre autres. Et que quand Rachmaninov, qu'il avait bien connu, était venu au début du XXe siècle, je crois, ou à la fin du XIXe, à Saint-Palian pour lui jouer ses compositions, Rachmaninov, à un moment donné, a joué un morceau qui a exaspéré Léon Tolstoï en disant « Je pense, mon ami, que ce que tu viens de me jouer pour moi a été le pire de tout ce que j'ai pu entendre de ma vie. » Et Rachmaninov lui a répondu « Écoutez, mon ami, pour une fois, vous vous trompez, car c'était une sonate de Beethoven. » Voilà. Donc, il n'y avait pas que du savoir à 100% chez notre cher Léon Tolstoï, et ce qui au fait aussi un personnage humain, parce que tout le monde a le droit de se tromper. Donc voilà, je voulais vous remercier de cette conférence. Je suis en province actuellement pour un travail photographique et je dois vous laisser parce que j'ai rendez-vous maintenant aussi avec les clients pour lesquels je travaille. Et je vous remercie tous et à toutes. Et surtout, une dernière chose, j'aimerais vraiment, et j'adresse ce message à vous, au musée Tolstoï de Saint-Palian, que j'espère que cette pandémie va s'arrêter, que nous allons pouvoir venir vous voir cet été. Et surtout, si jamais c'est le cas, que Madame Anne Le Foll et sa fille viennent interpréter cette pièce qui est vraiment magnifique. Et je vous remercie tous et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Спасибо большое, Дмитрий, за такое интереснейшее выступление. И мы очень надеемся вас увидеть в Ясной Поляне в следующем 2022 году. Ждем вас. И еще раз огромная благодарность.
Et surtout, pour finir surtout, une exposition de tableaux va avoir lieu au mois de janvier au Centre culturel Rusquet Branly. Les tableaux de Madame Le Foll et de ma cousine Germaine, Madame Sonia Lyon, qui vient de la branche suédoise, qui sont toutes les deux des grandes artistes, et qu'on va représenter Léon Tolstoï et Yasna Palian dans de très jolis tableaux. Voilà. Всего доброго, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Merci. Спасибо, спасибо большое, раз, Димитри. И я также с удовольствием предоставляю слово Галине Овчинниковой, доктору филологических наук, профессору московских и тульских университетов. Она выступит с научно-практическим проектом с Толстым и французскими писателями о Толстом. Пожалуйста, Галина. Здравствуйте, дорогие друзья. Те, кто побывал в Ясной Поляне, кто побывал в доме Льва Николаевича Толстого, и вы сегодня записались на эту конференцию, я очень рада приветствовать вас. Я рада приветствовать всех организаторов этой конференции. Это сложный гибридный вариант организации этой конференции. Это непростая задача, и, по-моему, проходит все замечательно. И мне хотелось бы сегодня поделиться теми проектами, которые тоже зарождались в Ясной Поляне, потому что Ясная Поляна к этому располагает. Когда приехала Паскаль Роз со своим, она получила первую премию за свою книгу «Lettre d'été», «Летнее письмо», и мы думали, как в учебном переводе подобрать лучший вариант письмо Льву Николаевичу Толстому или летнее письмо, но остановились пока на варианте летнее письмо. И чем хороши были эти проекты, поскольку перевод – это межкультурная интеракция. Писатель, адаптатор или переводчик – и читатель. И для того, чтобы эта интеракция состоялась, конечно, нужно понять, что хотел сказать автор, и использовать свои слова родного языка, если это возможно. И, конечно, наши проекты были хороши тем, что мы имели возможность беседовать и получать комментарии авторов при работе над учебными переводами. И таким образом у нас появился проект «От пера автора к черновику переводчика» по книге Паскаль Роз. И если она сейчас присутствует, мы очень-очень благодарны. Следующим проектом был проект с Элизабет Жаке. Я очень рада, что Элизабет откликнулась, и у нас будет его продолжение. Это был очень интересный проект, поскольку название книги Элизабет Жаке «Анна Каренина – это я». Проект мы назвали «Альтер-эго». Я видела в сегодняшних вопросах, мы сегодня собрались поговорить о музее «Ясная Поляна», а речь ведем о творчестве, о писателях, о продолжении. Я бы хотела сказать, что «Ясная Поляна» породил, и она действительно является центром мировой культуры, и Лев Толстой притягивает писателей в Ясную Поляну. И именно здесь у них рождаются мысли, появляются идеи, и они продолжают идеи Льва Николаевича Толстого пересмотреть Анну Каренину, увидеть Анну Каренину в современном французском контексте. Это большая удача, Элизабет Жакет. У нас был всего лишь маленький фрагмент сначала, но когда редактор стал смотреть наш проект, они сказали, хотим продолжение, хотим посмотреть, чем же это все закончится. И я думаю, что проект Элизабет Жакет и наш учебный перевод в конце концов найдет своего издателя. И, конечно, мы еще будем работать над этим переводом, чтобы большинство российских читателей, русскоговорящих читателей смогли ознакомиться с этим произведением. И вот
проект, пока еще он в черновом варианте. Мы благодарим Доминика Фернандеса за то, что он согласился на учебный перевод, потому что для магистров, это в этот раз не студенты, а магистранты первого курса, взяться за перо перевода – это большая ответственность и, конечно, смелость. Но, тем не менее, уже те страницы, которые нам порекомендовал Доминик Фернандес, они в работе, и к нам присоединяется Гренобльский университет и университет Бордо-Монтень. Мы очень благодарны кафедре славянских языков, которые во втором семестре присоединятся к этому проекту. Вот коротко, что я хотела бы сегодня сказать, и пригласить всех в Ясную Поляну, потому что наши франко-российские проекты будут иметь там продолжение. И проект «Круг чтения», потому что в круге чтения Льва Николаевича Толстого рекомендуется в первую очередь французские писатели. Это Жюль Верн, это Стендаль, это Жан-Жак Руссо. И с этими музеями мы уже в полном сотрудничестве. Уже сделаны первые шаги. Я думаю, что юбилейные даты с музеем Жюля Верна в Монтене мы продолжим. С музеями Виктора Гюго обязательно. Объем не малый, но, конечно, когда есть увлеченность, все получится. Я думаю, что наши санитарные условия в сегодняшний день не позволяют воочию увидеть Ясную Поляну, как хорошо сказал в своей книге Авек Тольстой Доминик Фернандес. Когда я увидел дом и обстановку, в которой жил Толстой, и именно здесь писалась «Война и мир» и другие произведения, вот здесь появляется вот эта флюидность, энергетика и желание. После посещения Ясной Поляны появляются такие произведения. Ясная Поляна вдохновляет на очень-очень многие вещи. Столетие – это большая дата. Так что дальше в путь, в дальнейшем нашим успехам. Я надеюсь, что, может быть, появятся желающие, если время позволяет, поделиться, те, кто побывал в Ясной Поляне, поделиться своими впечатлениями. Мы вам были бы очень-очень благодарны либо в чате, либо очно, поскольку конференция проходит в гибриде. Я вам очень благодарна за ваше внимание. Спасибо большое, Галина. И действительно, большая надежда, что в следующем 22-м году мы все встретимся, непременно встретимся в Ясной Поляне. И вот, завершая это заседание, хотела бы передать поклон от Екатерины Александровны Толстой, которая в силу служебных обстоятельств должна была несколько раньше покинуть нашу замечательную конференцию. И хотела бы поблагодарить от всей души устроителей этой замечательной конференции и специальная благодарность Константину Михайловичу и Асе Овчинниковой. Большое-большое всем спасибо и до новых встреч и непременно в Ясной Поляне. На наших конференциях, на наших семинарах и, пожалуйста, участвуйте во всех тех событиях, которые проходят в нашем музее. И главным образом очно. Но если нет возможности участвовать очно, то будем вот так, как эта конференция, участвовать заочно, онлайн. Спасибо большое. Мы ensemble. Invitation. Moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit par Galine Vassiline. Si vraiment dans notre salle, il y a des gens qui peuvent partager avec nous ces impressions, ces souvenirs de Ясная Поляна, on sera heureux de vous écouter. Si vous êtes déjà fatigué, et donc de toute façon, on peut avec plaisir recevoir vos impressions, vos idées, par écrit. Je vais demander à la salle s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer à ce sujet-là. Sinon, je voudrais remercier nos collègues, nos amis, nos partenaires de Russie qui ont participé à l'organisation de cette
événement merveilleux à mes yeux, tout à fait, c'était tout à fait réussi. Quand on dit en Russie, Pierre Blinko, oui, c'est la crêpe, la première crêpe qui est grumuleuse. Certainement, il y a parfois des petits problèmes techniques quand même. Donc, ensemble, je crois qu'on va se débrouiller à l'avenir. Et moi, je suis très honoré de pouvoir accueillir dans notre maison des sciences et de la culture russe à Paris des invités de tel renom, de telle importance, et de parler, de pouvoir parler de Yasna Polyana, de son centenaire et certainement de grandes figures de Léon Tolstoï. Bon, je dois vous dire que nous avons été suivis dans de plusieurs pays. Ce que j'ai vu déjà, c'était la Serbie, donc et d'autres pays. J'ai eu d'autres villes françaises qui ont aussi suivi et réagi. Donc, je remercie tous qui ont partagé la soirée avec nous. Et donc, au plaisir de voir vous tous dans nos salles et en ligne. Merci. Merci infiniment. Александр Константинович, можно пару слов в качестве заключения? С удовольствием скажу несколько слов. Особые слова благодарности Александру Константиновичу. Нет, и я... Александру Константиновичу большой привет. Да. Ждем Ясной Поляне. Спасибо большое. Я хочу воспользоваться случаем, во-первых, поблагодарить за добрые слова, которые здесь прозвучали в адрес моей и моей семьи. Действительно, в этом году мы посетили Ясную Поляну и должен сказать, что до сих пор находимся под огромным впечатлением. Там настолько вот ощущение присутствия Льва Николаевича Толстого, такое чувство, что он просто вот вышел погулять по парку и сейчас вернулся. Поэтому это какое-то особое место на планете, которое рекомендую посетить. И сегодня уже говорилось, что у руководства музея усадьбы Ясная Поляна есть большие планы по установлению связи с городом Яром. И я бы хотел сказать, что я сдержу. Я уже установил контакт с мэром этого города. Он готов меня принять. И я хочу вот буквально на этой неделе позвонить Екатерине Александровне Толстой, чтобы задать ей пару уточняющих вопросов, вооружиться и поехать на встречу с мэром. Я думаю, идея установления, может быть, не побратимских, но, как сейчас говорят, партнерских связей между Яр, где похоронен Николенко Толстой. Идея, безусловно, очень хорошая, и со всеми французами, с которыми я эту идею обсуждал, все ее горячо поддерживают. Проект, он тоже увенчается успехом, и, может быть, уже в следующем году будут какие-то интересные продолжения. Ну и, Константин Михайлович, спасибо за замечательное мероприятие на высоком уровне, очень интересно. Я думаю, все мы получили большое удовольствие. И спасибо нашим французским участникам, которые очень-очень интересно выступали, и особенно Доминик Фернандес, очень тонкие, сделал замечания. Очень-очень интересные. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Сергей Амбассадор. И sur cela, sur cette note merveilleuse, je crois qu'on peut terminer aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir dans notre centre. Merci.